Bonjour, donc pour cet après-midi sur la question de la représentation et de la fiction aux frontières, qui est un moment dans lequel les questions qui portent sur les démarches artistiques vont devenir plus centrales dans dans nos échanges et dans nos discussions. Et il me semble que c'est important pour une partie du public, en tout cas, puisqu'il y a pas mal d'étudiants de l'école d'art, de peut-être commencer par énoncer un certain nombre de choses, mais aussi pour les autres. Donc je voudrais faire quelques remarques liminaires pour essayer de... comment dire, en tout cas d'éclairer peut-être une partie des enjeux de la question de cette relation entre les études sur les frontières et la place des questions artistiques ou d'une manière plus générale de la question de la représentation et de l'imaginaire dans la relation à la question des frontières. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est une remarque un peu factuelle, c'est le fait que il y a une place de fait, de facto, importante des artistes sur les questions des frontières, pas seulement sur les questions des frontières en tant que telles d'ailleurs, mais sur toutes ces questions qui articulent à la fois des questions de territoire, d'espace, de sécurité, de contrôle, de devenir humain, de transport, de déplacement des êtres humains et des flux. Et il y a là tout un espace qui est de plus en plus investi par des artistes qui les constituent peut-être pas comme un objet, je pense que le terme d'objet n'est pas complètement adéquat, mais à la fois comme un point de fixation ou des points de fixation d'un travail qui se situe entre art et action, hein, et intervention souvent carrément politique, et d'autre part comme un moment d'un espace plus large qui est celui des réseaux et de la manière dont les réseaux dessinent une nouvelle territorialité dans laquelle nos sociétés s'organisent. Et cette présence est relativement importante. Hein. Vous allez voir ce soir dans l'exposition un certain nombre d'exemples qui peuvent se rattacher à cette figure. Je voudrais, moi, essayer de l'éclairer d'une façon un peu particulière. La première chose, c'est que l'art, comme beaucoup de pratiques, à une histoire qui est aussi marquée par ses objets, c'est-à-dire que l'art produit ses objets, ou si vous préférez, de la même manière qu'une science ne trouve pas dans la nature tout fait les objets qu'elle va étudier, mais qu'elle les constitue en se donnant une problématique, un champ méthodologique et une démarche au réel. La science ne trouve pas ses objets, mais elle les produit autant qu'elle les trouve. Et bien, il en est de même pour l'art. C'est-à-dire que l'art produit des objets et cette production n'est pas innocente. Je vous donne deux exemples qui reviendront plus tard, vous comprendrez pourquoi. On a vu, par exemple, on sait bien comment, à la Renaissance, l'art produit deux objets fondamentaux qui sont le paysage et le portrait. Voilà, ce sont des choses qui n'existent pas pendant la période médiévale. Le portrait ou le paysage, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Et c'est quelque chose qui apparaît à un moment donné de l'histoire, qui est construit à un moment donné de l'histoire, et qui est construit sous un régime un peu particulier en l'occurrence, c'est que c'est construit comme des genres, c'est-à-dire comme des catégories qui enveloppent toute une série de réalisations ou de variations que l'on peut situer à l'intérieur de ces catégories. Tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un paysage, ce que c'est qu'un portrait, et voir des paysages et des portraits, et les identifier sous le registre d'un genre, hein, le paysage ou le portrait. Or, l'une des choses qui m'intéresse, c'est que ces deux objets-là, c'est-à-dire le paysage et le portrait,
nous parle aussi de la manière dont une société, à un moment donné, produit son rapport à l'individu humain et à la réalité naturelle qui l'entoure. C'est-à-dire que comment on pose la nature et l'espace devant nous comme un objet qu'on étudie, comme une réalité extérieure face à laquelle on se trouve, et comment on fait apparaître, à un moment donné de l'histoire, l'individu comme une réalité qui a une valeur en tant que telle dans sa singularité, sa particularité, son identité spécifique. Et donc, si vous voulez, ces deux genres-là ne sont pas tombés du ciel, ils articulent à un moment donné un rapport qui est un rapport à la fois à l'individu et à la fois à l'espace et au monde qui nous entoure. Alors, ça semble très loin de la frontière. En réalité, je pense que ce n'est pas très loin de la frontière et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, la première chose qui m'intéresse, c'est que, évidemment, la frontière, elle, n'est pas un objet en ce sens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie générique à l'intérieur de laquelle on va pouvoir ranger un certain nombre d'œuvres en disant ce sont des œuvres sur la frontière. Mais je vous ferai remarquer que l'art ne fonctionne quasiment plus comme ça. C'est-à-dire qu'on invente toutes les cinq minutes des catégories esthétiques, l'art de ceci, l'art de cela, etc. Et en réalité, toutes ces catégories ont du mal à attraper une forme générique qui contienne une catégorie d'œuvres clairement identifiable de cette façon-là. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé qui fait que la manière dont l'art et les artistes se situent par rapport à la réalité ne fonctionnent plus exactement sur le même régime. Et si vous voulez, cette catégorisation générique, grosso modo, ne fonctionne plus, si vous acceptez cette schématisation. Quelque chose s'est déplacé. C'est ce déplacement qui m'intéresse ici. Et je vous le propose de le problématiser de la façon suivante. Premièrement, nous assistons, je vous propose l'idée que nous assistons à une transformation profonde de notre rapport à l'espace et au temps. Et que la question des frontières devient une question névralgique parce qu'elle est en train de nous parler de ça. C'est-à-dire que ce dont nous parlons depuis deux jours, c'est pas simplement de la transformation de quelque chose qui serait la frontière, mais c'est aussi et simultanément la transformation globale de notre rapport à l'espace et de notre rapport au temps. L'un des traits fondamentaux de cette transformation, c'est le fait que nous ne sommes plus devant un espace que nous pouvons objectiver à l'extérieur de nous dans la représentation d'un plan, mais nous sommes toujours pris à l'intérieur de flux et de réseaux par rapport auxquels nous n'avons pas d'extériorité totale possible. Si vous préférez, les réseaux existent, les flux existent, mais nous ne pouvons pas les constituer comme des objets extérieurs que nous pouvons entièrement observer du dehors, ou nous ne pouvons le faire que partiellement, provisoirement, dans le cadre d'études spécifiques, par exemple économiques, et encore au prix d'une sorte de coup de force méthodologique qui, à un moment donné, arrête quelque chose qui est complètement en mouvement et par rapport à quoi nous ne pouvons pas entièrement nous extraire. Le deuxième élément peut sembler très très différent. Il touche à la question de la représentation elle-même. Si dans un premier temps, je disais, nous sommes devant un problème de la représentation de l'espace et du temps, c'est-à-dire nous sommes face à des spatio-temporalités à l'intérieur desquelles nous nous situons, mais j'y reviendrai, de la même façon, la représentation elle-même est en train de bouger, où les formes classiques de la représentation, telles que nous l'imaginons tous, par exemple sous la figure de l'image, ont profondément changé. Alors pour aller très vite, je dirais simplement, une image, dans notre tradition culturelle, se pense, se conçoit, se regarde comme un objet. Nous avons objectalisé l'image. Et je ferai juste une petite parenthèse, nous parlons beaucoup de dématérialisation, y compris depuis deux jours, et je vous invite à vous méfier de l'expression de dématérialisation,
Parce qu'elle est profondément trompeuse. Je veux dire que si nous avons dématérialisé les images, en faisant des images numériques et des images flux, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus de réalité matérielle. Ça veut dire que leur matérialité a changé. Mais les flux d'informations, c'est une réalité matérielle. La consommation d'énergie, par exemple, produite par les flux informationnels est absolument gigantesque. Ça représente aujourd'hui une réalité à la fois physique, économique, écologique qui est absolument incontournable. Il n'y a pas là la magie d'une dématérialisation. Il y a une transformation profonde du statut d'un certain nombre d'objets qui ne sont plus justement des objets, mais qui deviennent des flux. Donc nous avons assisté à la désobjectalisation de l'image beaucoup plus qu'à sa dématérialisation. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la position de l'artiste. L'une des choses que fait un artiste, c'est qu'il institue un imaginaire et un regard dans une position. L'une des parts du travail de l'artiste, c'est de construire un regard, c'est de produire la façon dont on regarde le monde. C'est-à-dire qu'un artiste ne reproduit pas le monde qui est devant lui, il construit ce type de relation que nous avons avec le monde dans la production de sa représentation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un écrivain ne fait pas que raconter une histoire, il invente la manière dont on peut raconter d'une histoire à un moment donné, et la place qu'on occupe dans le récit des histoires. Et nous sommes exactement devant une situation de ce type. C'est-à-dire que le travail de l'artiste, ce n'est pas un travail qui rencontre un champ qui lui préexiste, c'est un travail de transformation de ce champ. Si vous préférez, je pourrais dire ça d'une manière très, très schématique. Nous avons pris l'habitude de penser l'art à partir de deux catégories fondamentales, qui est celle de la représentation ou de l'image, l'art produit des représentations, et qui est celle de l'esthétique. Ces deux catégories sont profondément en crise et nous avons besoin d'envisager une autre catégorie que je vous propose d'appeler à titre provisoire une exploration. C'est-à-dire que l'artiste, à partir du moment où il n'est plus à l'extérieur d'un monde qu'il représente, se trouve d'emblée à l'intérieur d'un monde et le travail qu'il fait pour poser une figuration, pour poser une relation, pour poser une narrativité, c'est un travail d'exploration du monde dans lequel il est. Il est producteur de structures, de formes et de points de vue. Et c'est ça le travail que fait un artiste. Or, à partir du moment où il est dans une dimension exploratoire, cet artiste n'est pas là pour illustrer le monde, il n'est pas là pour communiquer une théorie, il n'est pas là pour faire passer des idées, il est là parce qu'il effectue réellement sur la réalité vivante un travail, et que ce travail est différent du travail qu'effectue le scientifique, il est différent du travail qu'effectue l'acteur, par exemple, aux frontières professionnelles, mais c'est un travail qui produit aussi de la frontière. À partir de là, je voudrais dans un deuxième temps vous proposer l'idée suivante. Ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire ces trois éléments, un, l'espace est en train de changer, l'espace et le temps sont en train de changer. Ce que nous appelons l'espace et le temps ne sont plus ce que nous appelions l'espace et le temps. Deux, la représentation est en train de changer, le lieu, la nature de la représentation est en train de changer. Trois, le lieu de l'artiste est en train de changer. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des analogies, c'est-à-dire ce ne sont pas trois éléments différents qui sont posés les uns à côté des autres et qui seraient liés par une relation analogique. Il s'agit d'une transformation d'ensemble qui est en train de s'opérer. Et l'un des vecteurs de cette transformation, l'un des lieux où s'articulent ces éléments de cette transformation, c'est justement celui de la frontière, par exemple, de la frontière et de sa représentation. Comment on constitue un objet dans sa représentation ? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de frontière, et quand on parle de frontière comme un objet, serait-il l'objet traditionnel, classique, de la ligne dans l'espace ? On a tendance à oublier que cet objet, on l'a produit aussi à l'intérieur d'une représentation. C'est-à-dire que si les frontières, objectivement, existent, elles n'existent comme démarcation linéaire de l'espace que parce que nous avons appliqué sur l'espace des formes de représentation qui sont profondément liées à l'histoire de la cartographie.
Sans cartographie, il n'y a pas de frontière linéaire possible. La frontière linéaire, elle n'apparaît pas d'un coup au XVIIe siècle au travers des traités qui décident des frontières, elle se fait peu à peu. Par exemple, la frontière entre la France et l'Espagne, qui est celle que je connais bien, il faut 2 siècles pour la constituer du traité des Pyrénées au milieu du XVIIe siècle à l'existence d'une ligne qui divise précisément le territoire, qui s'effectue ou qui s'achève au milieu du XIXe siècle. Donc nous sommes devant un phénomène récent, mais il a fallu deux siècles pour que ce travail de construction de la frontière linéaire puisse se faire. Ce travail de construction présuppose des formes de la connaissance en même temps que des formes d'action, qui sont en particulier ceux de la représentation linéaire. Ça m'intéresse tout simplement parce que c'est une façon de dire que nous ne nous contentons pas de représenter le monde qui est là, mais en nous représentant le monde, nous le fabriquons. Nous le fabriquons pas par magie, hein, comme en faisant surgir quelque chose qui était dans notre tête, mais nous le constituons par l'opération de l'action, de la pratique et du savoir. Deuxième élément que je voudrais apporter dans cette deuxième partie. Parmi ces représentations que nous construisons, l'une des étapes ou l'une des structurations de cette représentation est de l'ordre de la production de la fiction. Ou si vous préférez, la fiction n'est pas un certain type de représentation, c'est une certaine façon de travailler les représentations. Je vous propose de simplifier ça en disant la fiction, c'est un opérateur de distance qui se construit dans le monde. Inventer, construire une fiction, ce n'est pas simplement, par exemple, raconter une histoire ou inventer une histoire, c'est déplacer le point de vue des individus qui rentrent dans cette histoire de manière à ce qu'ils puissent saisir le monde à la fois dans un effet de distance et à la fois dans un effet de proximité. C'est-à-dire que ce que nous permet la fiction, c'est de vivre d'une manière extrêmement proche quelque chose qu'en même temps nous mettons à distance. C'est-à-dire que le travail de la fiction, c'est un travail sur la relation entre la distance et la proximité, entre le déplacement et l'intégration à l'intérieur d'une expérience qui doit être une expérience la plus vivante possible. Donc cet opérateur, si vous voulez, de distance et de proximité, c'est quelque chose qui appartient à la fiction, mais c'est aussi quelque chose qui appartient à la pratique et à notre constitution d'espace. Par exemple, on peut définir la frontière comme étant un opérateur de distance, c'est-à-dire comme étant à l'intérieur de l'espace quelque chose qui met de la distance quelque part et évidemment, du coup, de la proximité autre part. C'est-à-dire que dès que je mets de la distance, je mets aussi de la proximité, mais différemment. C'est-à-dire que le couple distance-proximité, ce n'est pas simplement un couple d'opposés. Il y a d'un côté ce qui est loin, de l'autre côté ce qui est proche. C'est une structure dynamique. Quand je mets quelque chose à distance, je génère en même temps un espace de proximité. Quand je produis de la frontière linéaire dans un espace plan, dans un espace représentationnel plan, je crée de la distance à l'intérieur de quelque chose qui pouvait être une continuité de proximité. Je mets à distance quelque chose. Il y a, de ce point de vue-là, un travail qui est intéressant, qui est un travail de géographe, c'est pas, auquel je voudrais faire très, très rapidement allusion, qui est le travail de Christiane Arbaré-Schulz, qui définit comme cela la frontière comme étant une créatrice, une création de distance, et qui dit le réseau est en même temps une création de proximité. Et elle est amenée à dire en même temps, mais la frontière prend une forme réticulaire. Ce qui pose une question pour moi extrêmement intéressante, c'est si la frontière est en réseau, si le monde dans lequel nous sommes est un monde de flux et c'est un monde de réseau, comment s'opère à l'intérieur de cet univers de réseau l'opération de la distance et de la proximité? Alors, si vous retrouvez ce que je dis depuis le début, je suis en train d'essayer de dire à la fois deux choses
qui peuvent paraître très différentes l'une de l'autre. D'un côté, il y a quelque chose qui touche au réel, c'est-à-dire l'opération même de la création de la frontière. De l'autre côté, il y a quelque chose qui touche à la question de la représentation, si ce n'est de la fiction, c'est-à-dire créer de la distance et de la proximité. Ce qui se joue avec la question des réseaux pour moi aujourd'hui, c'est la façon dont ces deux espaces sont en train de se nouer à l'intérieur l'un de l'autre, c'est-à-dire comment aujourd'hui l'espace de la représentation est devenu un élément inséparable de la politique et de la stratégie de la frontière. Je veux dire par là qu'aujourd'hui la frontière se construit aussi dans la production d'un imaginaire, ce qui n'empêche pas d'être absolument réel, d'avoir des migrants qui sont dans une situation d'oppression particulièrement violente, des flux financiers, etc. Ce n'est pas du tout ça que je dis, mais ça marche à l'imaginaire. Une partie de cet imaginaire, aujourd'hui, c'est l'imaginaire de la peur. C'est-à-dire qu'une partie de cet imaginaire consiste, aujourd'hui, à construire un monde dans lequel ce qui était de l'ordre de la sécurité, c'est-à-dire la bulle à l'intérieur de laquelle nous sommes, et ce qui est de l'ordre de l'angoisse ou de la peur, c'est-à-dire l'extériorité en dehors de la bulle menaçante, a perdu son rapport du dedans et du dehors. Nous sommes dans un univers qui est traversé par l'idée que ce qui est loin peut être très proche, peut être même à l'intérieur de moi, peut être une partie de moi-même, et ce qui est proche peut être séparé de moi, ou en rupture avec moi, peut être très loin. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation qui est une relation génératrice de nouvelles formes de représentation dans lesquelles la question de l'angoisse, de la peur, ou au contraire de la sécurité, du confort, doivent être totalement réinventées. Alors, ce qui m'intéresse par rapport à la question de l'art, puisque je vois que j'ai qu'une minute, ça, j'ai déjà fini. Alors, ce qui m'intéresse, pour aller très vite, par rapport à cette histoire-là, c'est de dire ceci. Ce que font aujourd'hui les artistes, c'est qu'ils interrogent. Enfin, c'est idiot de dire ça, hein, c'est une espèce de schématisation, je ne veux pas du tout parler à leur place, c'est une proposition que je vous fais, mais l'un des enjeux de l'intervention artistique sur la question de la frontière, c'est exactement de se poser à ce nœud de l'articulation du réel, de la représentation et de la fiction. C'est très exactement d'essayer de les faire jouer, et non pas de les faire jouer pour le plaisir des choses ou le plaisir de l'art, mais parce qu'il touche à la question même de notre capacité en tant que sujet de maîtriser l'ensemble de cette relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de l'artiste par rapport à la question, par exemple, de la frontière, porte sur une seule chose, à mon avis, qui est de demander qu'est-ce que c'est un sujet politique aujourd'hui. Et la question qui est donc posée est celle de notre devenir comme sujet politique. Quel sujet politique sommes-nous? Quel sujet capable d'imaginer, de représenter et d'inventer le monde sommes-nous? Voilà pour moi la question qui est posée dans le rapport de l'art à la frontière.